Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue encore sur le journal du Grand Nord avec votre présentatrice préférée, naturellement, Maman Grand Nord, alias Ladonia. Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me dépasse. Le Colo, c'est le médicament qu'on donne aux fous. Donc, si ton enfant, en son propre âme, confiance, sans confiance ou bien conscience, je ne sais pas, s'il décide de prendre le Colo, ça le regarde. C'est que quelque part, il se considère comme un fou. Laissez-le. Mais bon, comme je ne peux pas rester insensible à vos problèmes, mes chères femmes, pour ça, j'ai trouvé une solution. J'ai fait venir un pasteur depuis le Congo. Mon pasteur personnel, hein. Je l'ai amené depuis le Congo pour venir prier pour la solution pour ce que vous m'avez demandé. Très bien, il est là ici présent. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Très bien. Tu reviens du Congo Kinshasa ou bien Brazzaville? Non, ma sœur, je veux savoir que le Congo Kinshasa ou Brazzaville, c'est le même pareil. Ah bon, hein? Oui, ma sœur. Voilà, présente. D'accord, moi, c'est le frère Sebago de Bagdad, la cité noire au Congo, la secte de Mimosa, Pongo, Toulou, Obizapia. Robert, les Bota, c'est le Mofango, Pelé, Mogo, ensuite, Beta. 13e apôtre. C'est comment? Ça, c'est le nom de qui? Viens parler l'affaire qu'on t'a parlé, Wakwaktiébezamaman. Ah, là, on t'a demandé de parler de Koumlo, l'affaire de Koumlo. Je t'ai fait venir pour ça. Ma sœur, je te dis que n'avoir pas peur. Même depuis le Congo, quand je suis arrivé. À l'aéroport, lorsque le bateau m'a laissé direct. Même la terre, comme ça, du Gabon, j'ai entendu irzance, irzance. Je t'ai dit que n'avoir pas peur, je suis venu avec l'onction directe, je t'ai dit. Bon, comme tu es là, tu es le pasteur qui fait les miracles. Est-ce que tu peux faire en sorte que, sur tout l'étendue du territoire Waonga, depuis le Grand Nord jusqu'au Grand Sud, plus une seule personne ne prend le Koumlo. On ne veut plus, on est fatigué avec le Koumlo. Personne ne doit plus prendre ça. Est-ce qu'il faut essayer de nous faire ça, pardon? Ça, c'est le miracle, c'est pourquoi tu es venu ici. Donc on va prier comme ça. Seigneur, tu as fermé les yeux. D'accord. Seigneur, vraiment, comme tu dis dans ta parole, que les conséquences conseillent mieux que les conseils. Donc, Seigneur, tous les enfants qui prennent le Koumlo, Seigneur, qu'ils puissent avoir quoi, l'épilepsie directe. Amen. Seigneur, même toutes les femmes qui portent les perruques, qui dépensent de l'argent pour attester les tissages, Seigneur, que tu puisses leur donner la calvitie directe. Je vais l'amener pour ça. J'ai dit, je vais l'amener pour ça. Donc, tu es venu sur mon plateau pour m'insulter. Ma sœur, la prière n'est pas finie. Mais tout le monde, tu ne me connais pas. Pas la chance, c'est parce que tu es bien habillé, actuellement. Ça. Bon, laisse-nous 5 000. Quand je suis parti te prendre au Congo, tu m'as coûté cher. Laisse-moi même 5 000 là, pardon. Tu veux 5 000? Ah, mais 5 000, ok. On va prendre le taxi. Ah, vraiment, ma sœur, il faut savoir que les temps sont durs. Vraiment, 5 000 à l'air là, c'est un peu compliqué comme ça. Attends. Donc, tu veux dire que tu as fouillé tes poches. Je me dis que tu vas me donner 5 000. C'est le Kleenex que tu prends dans Wakuma Timpi, en sous ton vieux front là. Mais tu me connais? Je n'ai pas 5 000. Tu as la CNAM GS. Pourquoi? Parce que la CNAM GS même ne prend pas en compte les chiffres de Maman Grand Nord. Oh, tu me dis, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Va à lui. Dis-le, Maman Gongwana. Va à lui. À lui là-bas, il y a des bons snacks même. Va. Dis-le, Maman Titi. Quel impie, je te tends, pire, fermez les portes. Fermez les portes, il ne sort pas. Fermez les portes comme ça.